mes crayons de colère pour barbouiller les feuilles des jours. La 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 la. C'est la matrice, l'eau. Et cet album s'appelle Histoire d'eau 2. Alors je sais que c'est tout paradoxal, mais je pense que j'avais envie de réunir tous les éléments qui créent la vie, quoi. On est dans respirer, boire et l'amour, bien entendu. Blanc sur blanc, rien ne bouge, rouge sur blanc, tout fout le camp, j'ai pris mes crayons de colère. J'ai travaillé la matière sonore, vraiment comme une matière, jusqu'au point de ne plus discerner la matière virtuelle de la matière concrète. Ça va du clair jusqu'au foncé, de la transparence au mystère. C'est important que ça chante en moi. Parfois, il n'y a pas forcément de mots. Et il y a une vraie recherche d'introspection par rapport au chant originel et à la musique soufie, au chant touva, avec le chant diphonique. Il y a un côté comme ça, musique instinctive. Et je le pilote avec mes pieds. Donc c'est ça qui crée cette danse et ce mouvement. Blanc sur blanc, rien ne bouge, sur blanc, tout fout le camp, j'ai pris mes crayons de colère. Blanc. C'est pas pour moi un projet personnel, c'est un projet qui peut avoir une dimension universelle, en tout cas je l'espère, parce que sinon ça n'a pas de sens pour moi.